Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul Shein. J'ai fait une énorme sélection chez Shein parce qu'ils ont fait une nouvelle campagne, je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. Et vous avez un code promo que je vous afficherai juste là, donc en barre d'infos vous avez toutes les informations, code promo, les liens des articles. Il y en a quelques-uns des articles qui sont déjà au salle, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos dans tous les cas. Mais voilà, il y a pas mal de petites pépites que je trouve au niveau de la maison et aussi au niveau des robes, tout ce qui est classe, etc. Ils ont fait vraiment une très très belle panoplie de vêtements classe. Et bien let's go, c'est parti. Alors déjà, je vais vous montrer juste les trois choses vraiment importantes à mes yeux pour ce haul. C'est ce coussin là que je trouvais vraiment trop mignon. C'est un coussin Marguerite. Il est trop beau. C'est pour mettre sur mon gros fauteuil rond là, pour le mettre dessus. Et je trouve ça trop mignon. C'est hyper moelleux. C'est d'une très très bonne qualité. Donc ça, je valide à 100%. C'est trop mignon. Ensuite, je me suis pris un plaid. Il est d'une extrême bonne qualité. C'est un plaid vraiment très très moutmout, très nuage en fait. Il est assez, enfin il est assez grand, il fait la taille d'une personne, il fait pas deux personnes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc il est un petit peu rose, c'est parce que tout simplement je l'ai mis à la machine et il y avait un vêtement couleur rose qui était, je l'avais pas vu. Et du coup il est un petit peu rose à certains endroits. Mais bon, ce n'est pas grave, il est super beau. Il coûte un petit peu cher, mais franchement la qualité est top et très très moelleux, très nuage, j'adore. Ensuite je me suis pris ça pour ma voiture. Alors c'est peut-être con, mais je n'ai aucun coussin, je n'ai rien en accessoire pour ma voiture. Donc j'ai pris ça. C'est un petit coussin, voilà, pour mettre sur le siège. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que moi je conduis beaucoup là en ce moment. Il y a un petit zip, donc si vous voulez le nettoyer, bah vous pouvez. Donc ça c'est trop trop cool. Ensuite pour tout ce qui est vêtements, j'ai testé les jeans. Alors les jeans pour moi c'est hyper compliqué parce que j'ai une taille très très fine et j'ai des hanches un peu développées. Donc c'est un peu compliqué d'en trouver un qui me va. J'ai pris du S je crois à chaque fois. Donc le premier jean c'est celui-ci. C'est un jean brut vraiment basique. Ils sont un tout petit peu grands au niveau de la taille mais franchement ça va. C'est très raisonnable par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Moi c'est vraiment un problème donc franchement c'est d'une très bonne qualité je trouve. Un très bon jean déchiré et tout. Il est super bien, super costaud. Franchement, il est pas très fin. Enfin, il a pas une qualité de merde. C'est un bon jean, je trouve. Donc, trop contente de tomber là-dessus. Et j'en ai pris un autre de jean. C'est un jean noir. Et la forme, elle est assez particulière. J'en ai pas des comme ça. Donc, c'est un jean noir un peu style cargo. Donc, c'est très tendance en ce moment, le cargo. Je sais pas si vous allez bien voir avec ma caméra, mais vous avez des petites poches, là, juste là, qui sont vraiment pas mal. Vous avez fait deux poches. Une poche ici et une poche là. Le bas est un peu patte d'éléphant, vite fait. Et vous avez une petite déchirure aussi sur le bas. Je sais pas si vous allez bien voir avec cette caméra, je suis désolée. Mais franchement, super bien. N'hésitez pas, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Excusez-moi. Ah, je les déteste. Ah, c'est mes voisins. À chaque fois qu'ils rentrent, ils m'appellent et ils me font déplacer pour rien. Donc vraiment, très bon jean. N'hésitez pas à commander celui-là. Franchement, si vous avez des hanches et tout, ça fait super joli sur la femme, je trouve. Donc vraiment, n'hésitez pas pour ça. Je me suis pris des chemises. Alors, je sais pas, j'ai une addiction aux chemises en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc, pour la première chemise, donc en fait, j'ai pris des chemises qui se mettent en dessous de pulls. Donc vous pouvez les mettre en mode normal, par exemple celle-ci vous pouvez la mettre en mode normal, mais je trouve qu'elle est un petit peu transparente au niveau des tétons. Donc si vous mettez pas de soutif, je vous la conseille pas forcément. Mais en fait, si vous mettez un petit pull en dessous, vous savez les pulls comme l'année dernière en fait, bah en fait j'ai pas vraiment de chemise adaptée à ça. Et du coup bah, je suis trop contente, j'ai trouvé une chemise, elle est super bien, elle a une très bonne qualité. Genre la qualité est vraiment, vraiment top et je l'ai pris en taille M. Ah oui, il n'y avait plus en taille S je crois. Donc un tout petit peu grande pour moi, mais franchement en dessous d'un pull ça fait un effet un petit peu loose et tout. Franchement plutôt pas mal, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram parce que tous les jours je vous montre mon outfit et tout. Et vous aimez à chaque fois, vous me dites d'où ça vient, souvent ça vient de chez Shein. Donc bah n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram qui est ElisaBRTOff. Ensuite je me suis pris une autre robe chemise. Par contre celle-là elle fait un petit peu blouse de chimie. Enfin je la porterai pas comme ça ou alors avec une petite ceinture, mais elle est très très longue. Vraiment je fais 1m70 pour vous essayer de comparer. Je l'ai pris en taille M. Pourquoi je l'ai pris en taille M? Je pense qu'il ne devait plus avoir les tailles S et tout. Mais j'ai pris en taille M et du coup, ça c'est plus pour voilà, mettre en dessous d'un long pull à manche... Enfin, sans manche quoi. Je vous l'avais montré dans un de mes derniers haul Shein. Il y en avait un que j'aimais beaucoup, un beige, et ça va super bien avec la robe. Donc franchement, trop trop bien. Ça fait vraiment stylé. Alors, juste comme ça, je ne suis pas très fan. Ensuite, je suis tombée sur ça, mais j'étais trop contente. C'est une combi short chemise, j'ai jamais vu ça. Donc ça se présente comme ceci. Donc vraiment les qualités sont top hein, pour les chemises je trouve. Elles sont vraiment plutôt pas mal. Donc très bonne qualité, vraiment qualité chemise comme on a l'habitude de voir. Et c'est une combi short. Donc trop bien, je trouve ça génial avec des petites cuissardes et tout. Ça peut être super stylé, un petit perfecto, un petit truc en cuir. Moi j'adore, ou un manteau long, un camel. Je kiffe ça, genre c'est magnifique. Pas trop transparent. Après j'avais ma culotte de règles.
Donc j'ai mis une culotte noire exprès pour vous voyez, mais j'ai une culotte de règles, du coup j'allais pas mettre un string ou voilà, j'ai mes règles, du coup je peux pas. Voilà à quoi ça ressemble, mais franchement c'est super bien. Je vous conseille vivement cette petite combinaison. Je pense que je vais la mettre pour ma présentation la semaine prochaine parce qu'elle est vraiment top. Ensuite on continue dans tout ce qui est un petit peu classe. J'ai pris un pantalon fluide et je pense que je vais en reprendre des comme ça. C'est un pantalon comme ceci, marron, trop beau. J'adore les pantalons fluides, je trouve que ça va super bien aux personnes qui ont des hanches. Je trouve ça trop beau, ça fait des belles formes. Donc juste le derrière au niveau des pinces là, je trouve que c'est un tout petit peu mal fait. Ensuite je me suis pris un ensemble, j'avais pas trop d'ensemble. En fait j'ai très peu d'ensemble smoking, voilà, un peu classe, j'en ai très peu. Et là j'en avais pas avec un short, donc j'ai le short comme ceci, vraiment basique. Le short très bien avec des petites poches. Et la veste. Vraiment c'est un ensemble très basique, c'est un intemporel, c'est un truc à avoir dans son placard. C'est vraiment bien taillé, je l'ai pris en taille S. Ça c'est vraiment un basique pour moi à avoir dans ses placards, surtout en master. Nous il y en a beaucoup qui sont en costard et moi j'arrive en mode comme ça. Je me dis bon, je fais un peu tâche. Ensuite j'ai mis ça la dernière fois, vous avez trop kiffé sur Insta. Donc ça un ensemble avec une jupe effet tricoté comme ceci. Très belle jupe, vraiment trop jolie. Donc c'est une jupe avec un haut avec... Alors je l'ai mis, donc il était au sale, donc je vous l'ai ressorti. Là, il a l'envers, mais bon, je pense que vous avez capté. Donc c'est la même chose, la même matière, il est fait tricoter et ça te fait un petit ensemble comme ça noir et c'est vraiment trop joli. Tout le monde m'a fait des compliments ce jour-là en mode « Oh, c'est trop beau, t'es belle avec ta tenue et tout », donc ça, j'adore. Ensuite, une autre combinaison que j'aime beaucoup. En fait, j'ai beaucoup aimé le motif. Je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment... très joli, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est pas trop transparent et c'est ça taille bien. J'ai pris en taille S encore une fois. Voilà, c'est une combi short. Très basique, très très simple et j'aime beaucoup. Au moins, c'est une matière un petit peu spongieuse, donc c'est vraiment agréable à porter. Ensuite, je me suis pris cette robe pull, effet tricoté. Alors, on voit à travers, hein, voilà, ça c'était obligé. On voit ma culotte, en même temps c'est de l'effet tricoté, c'est totalement normal. Donc peut-être, je sais pas, je le mettrai que à la maison ça je pense, parce que je pourrais pas sortir dehors avec, même avec un cycliste ou autre. Je sais pas, mais en tout cas la matière est vraiment top, c'est hyper, hyper moelleux comme ça, là c'est vraiment d'une bonne qualité. Et mais ouais, c'est dommage que ce soit... Ou alors faudrait mettre un fond de robe, je pense que ça serait le mieux. Ensuite je me suis pris un pull vraiment basique, comme c'est un pull un peu comme ça, voilà, vert, très très simple. Moi j'ai besoin de basique, comme ça un peu crop, les manchons comme ceci, le petit col comme ceci, trop mignon. Bonne qualité, moi j'ai des pulls, ça vient de chez Shein, ça fait 2 ans que je l'ai, ils sont super bien. Donc moi les pulls de chez Shein, je les adore. Ensuite je me suis pris des petits t-shirts, donc c'est un t-shirt vert. Et en fait moi j'aime bien les t-shirts un peu originaux. Donc ils se présentent comme ça et j'adore, ça fait... Enfin après faut pas avoir une trop forte poitrine parce que sinon ça serait un petit peu court en dessous du sein. Donc pour les petites poitrines c'est parfait. Je trouve, mais pour les un peu plus grosses, genre si vous mettez du S et que vous faites un bonnet C ou D, je vous le conseille pas forcément parce que ce serait beaucoup trop petit en fait. Donc bref, voilà un petit haut et un autre que j'aime beaucoup parce qu'il y a des petits lacets et tout, franchement j'aime trop, c'est un kaki, trop mignon. Donc un comme ça avec tout ça de lanière, Prince il va trop kiffer. Donc voilà, c'est vraiment un basique aussi. C'est bien taillé, donc ça je peux vous conseiller aussi si vous cherchez des petits t-shirts, ils en font plein sur Shein. Ensuite là c'était un lot de 3. C'est un espèce de combinaison comme ceci. Ouais, une combinaison comme ça avec un dos nu. Je trouvais ça super sympa, donc il y a bleu et il y a noir et il y a marron. Donc peut-être mettre en dessous des robes là, un petit peu transparentes, ce genre de choses. Mais franchement, je pensais pas que ça allait être aussi confortable. Je me suis dit, je vais être un petit peu serrée, ça va être un petit peu trop me coller à la peau. Mais en fait, pas du tout. Alors plutôt pas mal. Après, on voit ma culotte sur la vidéo parce que j'ai une culotte noire. Je pensais que ça allait être un petit peu plus transparent. Au final, non. Donc ça, vous savez, avec une petite chemise ouverte ou juste pour chiller à la maison, faire le ménage ou autre, genre, ou mettre en dessous d'une robe ou que sais-je. Franchement, c'est plutôt pas mal, c'est un petit basique, voilà, un petit trio. Donc ça, je suis trop contente. J'avais des a priori, je me suis dit, ah, ça va être un peu... Mais au final, super bien. Alors cette chemise, je n'ai pas compris. Les boutons me perturbent, parce que les boutons se ferment un petit peu trop sur le côté. J'ai pas trop compris, mais sinon, la matière est assez douce, assez agréable, on dirait un petit peu du lin. Trop belle chemise, je pense que je la laisserai ouverte. Je la fermerai pas parce que vraiment les boutons me perturbent.
Mais sinon, la couleur est trop belle. Enfin, vraiment une bonne qualité. Ensuite, j'ai pris un basique. C'est un petit sweat comme ceci. Ça, j'utilise beaucoup pour la salle de sport. C'est des sweats vraiment basiques. Plus basique, tu meurs. Donc voilà, ça c'est très très bien pour aller au sport. J'ai rien à dire. C'est vraiment une bonne matière. Je l'ai en noir déjà. Pour ça, je l'ai pris en blanc gris. Comme ça, ça me faisait une autre couleur pour aller au sport. Si vous cherchez des articles de sport sur Shein, franchement, n'hésitez pas. Les leggings, ils sont très très bien. Ils sont pas transparents. Vraiment, je vous conseille à 100% leurs vêtements de sport parce qu'ils sont vraiment très très bien. Je mets ça à chaque fois que je vais au sport et franchement, on ne voit pas ma culotte. Ce n'est pas transparent, ça ne se craque pas, ça ne se bouloche pas. Et c'est hyper abordable comme prix, c'est genre 15€ le legging. Quand je vois les prix dans les autres trucs là, Shein's Apart machin ou je sais pas quoi là, c'est vraiment de la grosse merde par rapport à Shein. Donc vraiment, n'hésitez pas, foncez. Ils font vraiment une très très belle gamme de sport. Ensuite, on va finir par les trois derniers articles. Donc c'est une veste en simili cuir comme ceci. Trop trop belle, donc là elle paraît un petit peu chiffonnée à la caméra parce qu'elle était dans le carton là, mais je pense que si on la détend un petit peu, on passe un petit coup de défroisseur, je pense que ça peut le faire. Donc voilà à quoi il ressemble, très belle veste encore une fois, je l'ai pris en taille M. Prenez une taille au-dessus pour celle-là je pense, parce que moi je fais du S, j'ai pris une taille M et ça me va, c'est pas trop grand en fait. Ensuite ce manteau que je n'arrête pas de mettre parce que je le kiffe, il est trop bien. C'est un manteau noir, alors la caméra vous allez rien voir, mais vraiment c'est un manteau noir basique. C'est le plus basique des manteaux noirs, il est très beau. Je n'ai pas trop de poils dessus, je suis contente, voilà, merci Prince. Il est classe, il a une bonne coupe, il part en arrondi, il est pas que droit, franchement. Très très bien comme manteau, je vous le conseille vivement. Ils ont fait une gamme de manteaux magnifiques sur Shein. Et mon autre coup de cœur, c'est celui-ci, il est trop beau. C'est ce manteau là. Alors les manteaux, je crois que je les ai pris en taille M à chaque fois. Je prends toujours une taille au-dessus pour les manteaux à cause des pulls et tout. Et donc le dernier manteau que j'ai pris, c'est celui-ci avec ce motif vraiment trop 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 beau. Donc hyper agréable, il est hyper souple, il est léger. C'est pas un truc qui va t'affaisser avec le poids sur ton dos, c'est pas, voilà, c'est pas du tout ça. Très bon manteau, je suis très contente, je l'ai mis aujourd'hui et hier et franchement je l'adore, je vais le saigner tout cet automne. Donc je pense que j'en ai fini avec tous les articles que je voulais vous présenter. Il y en a d'autres encore qui sont dans la machine, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Donc si vous voyez des outfits sur mon Instagram, en story, etc, c'est souvent ça vient de chez Shein et c'est déjà, j'ai déjà les liens dans les barres d'infos de mes vidéos Shein, donc n'hésitez pas à les regarder dans les barres d'infos. Donc bah écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner aussi à mon compte Instagram. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.